avec ta manette. Toi, tu kiffes Jem ou pas? J'aime bien les musiques de temps en temps, certaines musiques. Ça, c'est la musique dans l'épisode 1, quand les Misfits apparaissent et qu'elles ont ce nouveau son qui déchire qui va révolutionner le monde de la musique. Et du coup, c'est pour ça que Eric Raymond, le méchant promoteur de Starlight Industries, eh bien, en fait, va promouvoir les Misfits et arrêter de produire les hologrammes. Enfin, et d'ailleurs, c'est pas encore les hologrammes, c'est Jerrica. En disant, c'est elle les prochaines. Et Jem les trouve trop vulgaires. C'est moi de bourré? Ouais. Parce que là, ce stream devient officiellement le stream Jem les hologrammes. Et je vais vous raconter l'histoire de chaque musique. Il y en a 50. Je crois qu'il y a une musique originale par épisode. Contrairement aux poupées qui ont carrément des musiques sur cassette audio. Merde. Là, c'est des nouveaux mecs, on est d'accord, c'est pas la revanche. Non, non, c'est des nouveaux mecs. C'est dommage, hein, c'était serré contre les autres gars. Hein. Ils savaient pas jouer pourtant, on était juste nuls. Oui, bah là, ils nous ont marqué un but, non? Non. Oh putain, tu l'as niqué le mec. Oui, putain, il a plus de potes. Oui! Benzaï! Can't ici. Believe your eyes! Wow! This is only the beginning! Alors, ça, c'est la musique en fait, quand Eric Raymond pense avoir gagné le tremplin rock au premier épisode pour gagner une villa avec les Misfits, et qu'en fait, Jem, eh bien, en fait, vient de découvrir le pouvoir des hologrammes, et donc, eh bien, guac tout le monde en se présentant au tremplin rock du terrain de pique-nique d'en face. Pour gagner une grosse voiture et un orphelin et une villa, ce dont elle a vraiment besoin parce que eh bien, les Misfits avaient brûlé l'orphelinat dont s'occupait Jerrica Benton alias la véritable identité de Jem. Oh putain, mais attends, je fais que des actions mirobolantes. Merde, je me suis retourné. Je fais que des actions mirobolantes et je loupe toujours de peu quoi. Alors, j'ai joué l'homme qui tombe à pic là et putain au cul. Là je là... ah putain attends là je dose le truc. Oh merde qu'est-ce que oui, je fais? Là t'as dosé rien du tout. Alors Winning is Everything hein, c'est la chanson où les Misfits elles sont pas contentes et elles du coup elles expliquent à Eric Raymond qu'elles sont non. là pour gagner et pas autre chose. Vas-y, vas-y, bourre ça. Oui, ça rentre là. Allez, oui, fais-moi plaisir. Fais-moi l'amour avec deux doigts. Alors, je ne vous raconterai pas en détail l'histoire de Jem et les hologrammes. Hein. Je vous conseille d'acheter, supporter la release officielle. Je bourre. Bon, c'est toi qui bourre? Ouais, on bourre tous les deux. Allez. Et ça a bien marche. Marché. Ça a bien marché. Oh non! Oh! Oh là là, il t'a défoncé. Mais il va. Oh oui! Mais j'ai marqué quand même! Oh bravo, regarde ce truc là! Le kamikaze! L'explosion! Ah non, c'est qu'après il l'a touché! Mais c'est un beau but! C'est très très beau! Très très beau! Mais oui, on les défonce 3-0. Vas-y, c'est toi qui bourre. Benzaï, j'ai acheté le jeu, mais merci! C'est normal, tu as bon goût. Like a dream. Bah, y'a personne. Oh non, merde. Ah merde, putain, je sais pas ce que c'est la chanson de Like a Dream. Mais non, mais tu me l'enlèves. Mais les musiques de Jem sont vraiment bien hein. Oh oui. Alors attends putain, c'est quoi cet épisode? Ah mais c'est juste quand t'es Ah mais c'est oui parce que c'est quand Jem commence à sortir avec eh bien Ryo, son ami le d'enfance. Le grand maître du karaté. Non, c'est pas le grand maître du karaté, c'est son ami d'enfance qu'elle veut niquer depuis qu'elle a 10 ans. D'ailleurs même son père dit mais genre mais quelle petite salope cette Jem. Déjà à 10 ans elle regardait les garçons.
et en fait Jem se trompe avec elle-même et elle est vraiment très très conne. Merci Bill Casius, les euros feront l'affaire. Attends, mais là qu'est-ce que... T'es sérieux? Oui, c'est bon. Vas-y, je te pousse. Oui. Je te donne de la vitesse. Tu me pousses, Samus. Oui. Oui, non. Oui. Non. C'est la brèche, brèche. C'est pas wesh, wesh. Si tu me cherches, je suis dans le coin. Oh, putain. Tu l'as. Ah, putain, là, c'est la chanson où, en fait, elle s'appelle Click and Flash. Et, en fait, c'est Jem qui fait un... Oh, non. C'est Jem qui veut faire un shooting photo pour une émission de télé et en fait les Misfits s'incrustent et du coup la musique elle est en canon et c'est un grand moment quoi parce que du coup on sait pas qui c'est qui va avoir une interview spéciale de Jem et les hologrammes, de Jem ou des Misfits. On va pouvoir te protéger quoi. Regarde, protection, regarde. Merci Salsioniste. D'accord. Vas-y, bourre. Oh putain, ce non-bourrage. Moi, j'ai touché le plafond. Oh non, putain, j'ai fait de la merde. Oh non. Oui, c'est bon, bravo. Non, mais il a du boost. Enfoiré. Merde, bon, j'ai fait de la merde. Oui, oh putain, oh là là, la double reprise de tête. Il y a moyen de faire des trucs stylés quand même. Merde. Il s'est chié sur les cuisses. J'ai le max du boost. Hop, j'en ai explosé un. Hein. Tu leur as mis en plein dans l'axe. Oui. Bravo. Oh, les Misfits font des mischiefs. Merci Sasuke. En fait, il faut qu'on... Je bourre. Oh. J'espère que vous avez la hype, hein, pour ces zigs de ouf. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que chaque... c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé là? Je veux voir tout ça. Ouais, non, il a eu de la chatte. En fait, faut bourrer tous les deux. Benzaï, à l'engagement, c'est celui le plus près qui y va. À chaque fois qu'il y a ce type de placement, à l'engagement, vous touchez pas la balle. Non. Putain, bon, heureusement qu'on a bourré, quoi. Oh oui. Oh là là, on peut écouter Jem et les hologrammes. Alors, tu sais qu'ils ont sorti un nouveau trailer de Jem et les hologrammes. Je sais que tu le sais. Lâche la manette. Ils ont sorti un nouveau trailer du film Jem et les hologrammes de 2016, donc il s'annonce pourri, mais cette fois ils ont fait, regardez, on a des hologrammes, et en fait c'est juste que son papa avait fabriqué Synergy, qui est maintenant un espèce de Furby merdique en robot, un espèce d'iBot de chien robot pourri, qui projette des hologrammes, c'est vrai, en fait c'est juste un petit projecteur mini robot qui fait bip bip, qui projette des vieux clips d'enfance de Jem, c'est tout, c'est de la merde. Ah. Alors par contre après dans le film, enfin dans la série, plus tard elles vont faire un shooting à Paris et du coup elle est submergée par la romance parisienne et se prend à rêver qu'elle sort avec Rio. Seulement elle ne savait pas que les Misfits avaient engagé un tueur à gages pour leur faire tomber une gargouille sur la tête pendant ce fameux shooting gothique à Notre-Dame. Ouh, putain, que d'aventure. Allez, oh putain, il pleut, c'est marrant. Est-ce que ça glisse quand il Vas-y, pleut? Vas-y, donc, on va suivre le conseil de je sais plus qui. Vas-y, je bourre. T'y vas. Et ma manette ne marche plus. Ta manette marche plus? Ouais. Dépêche-toi, vite, redémarre. Ouais. C'est marrant, il y a la petite panique, genre... éteins la lampe. Il y a des mecs qui commencent à savoir jouer hein, sur le live. Hein. Donc, hein, bien entendu... Le crépuscule à Paris, c'est joli quand tu es amoureux, nous dit Jem, ce qui est vrai. Oh non putain, je voulais...
Oh merde. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans quel côté tu laboures? Merde, putain, il monte totalement. Merde, merde. Oh, ça bourre. Le truc, c'est d'avoir tout le temps la caméra sur la balle. Malheureusement, ça, des fois, tu vois pas où sont les autres mecs. Merde. Elle rentre. Oui, bravo. Bravo. Bonsoir des US, nous dit Paul Poulpe 666. Oh là là, le mec est tellement genre, il regarde là-bas genre, oh non. Donc là, c'est toi qui y vas encore. Go. Il paraît que ça marche. FXR Nabus nous dit ça nous fait bizarre de jouer contre Benzaï. C'est toi en face là? C'était toi? Faudrait que je vérifie sur la VOD. Les gens pourront peut-être nous le confirmer. C'est à moi. C'est à toi là? J'en ai. Enfin. Ouais. My eyes on you. Hey babe. Oh non! Là, c'est encore une fois, c'est Jem qui confesse, qui dit à Ryo qu'elle est folle de lui, pendant que Ryo baisse Jerica, c'est-à-dire l'identité secrète. En fait, c'est comme si Catwoman elle baisait Bruce Wayne et Batman, et elle se disait genre, franchement, enfin, et Batman se disait genre, putain, et Catwoman, au lieu que Batman se dise, putain, je suis un salaud de. Tu vas pas lui dire quoi, qu'en fait, elle baisse le même homme quoi, même si bon, c'est impossible de pas s'en rendre compte. Mais, en fait, dans Jem et les hologrammes, c'est l'inverse. Imagine que Batman se dirait genre, mais c'est une salope Catwoman, et ben avec Bruce Wayne et Batman, et et ben c'est ce qui se passe dans Jem et les hologrammes. Ben voilà. Oh là là, là c'était le haricot sauteur, regarde. Poing. 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 Pour l'instant les mecs ils savaient pas quoi faire. Poing, poing, poing. Là, c'est toi qui vas à fond. Ok. Ah bah voilà, là tu l'as touché. Oh putain. Mais, oui. Vas-y, mets un triplé, je te dirai rien. Triplé. Oh yes. Appelle Edouard Gattuso, il comprendra. Oui, je comprends. C'est quoi, c'est ton nom de star du X? Oui. Très bien. Non, mais... Ah oui. Vas-y, c'est moi qui bourre. C'est... non, c'est un pote de l'année dernière, de seconde. Ah wesh, putain, c'est la brèche, c'est pas wesh wesh. Donc dédicace à Théo, je suppose que c'est lui. D'ailleurs, Théo, tu connaissais son frère ou sa sœur? Quoi? Ah, mais putain, c'est Théo... Galopin. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Oh. Mais je connais toute la famille. Et le but. J'ai envie de dire, je connais bien la mère. Bref. il faut une version Bernard Minet. Du générique de Hard Corner. J'aimerais bien faire chanter à Ganesh du Claude François Hard Corner. Je ne sais pas trop quoi, mais un truc. Là, j'y vais. Cette musique, c'est pas ma préférée de Jem. Oh putain. Bon, heureusement que je l'ai dévié un petit peu, le mec, parce qu'il était parti sur Orbit. Oh, il m'a défoncé. Oui. Mais moi pendant ce temps, je vais marquer ou pas? Mais si! Mais non! Mais si! Mais. Le mec qui. Oh non! Merci Pilo! Dégage!
Oh là 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 là, mais putain, on me bourre le cul, et pas comme j'aime. Oh, The Danger Zone! Une chanson sur la Danger Zone bien plus rigolo, bien mieux que celle de Top Gun. Hein. Allez, allez, go! Je me centre moi-même. Ouais, bien joué. Merde, putain, alors là, ils me foutent. Oh putain, non! Oh non, putain, c'est la brèche-brèche. La brèche-brèche, c'est pas brèche-brèche. Si tu me cherches, je suis dans le coin. Le mec a tellement foiré son... Oh non, mais qu'est-ce que tu fais? J'étais dans l'axe. Non. Mais si, tu m'as poussé, mais j'étais devant le truc. Mais non. Mais si, si, mais revoyez ça chez vous. Merde. I never have a change of heart. Oh, it's truly, truly outrageous. Truly, truly, truly outrageous. C'est totalement extravagant. D'ailleurs, la version canadienne est géniale du générique. Parce que du coup, la version canadienne dit vraiment genre j'aime vraiment extravagante. Vraiment, vraiment, vraiment extravagante. Donc ça, c'est très drôle. Non. Si, si, c'est bien. Du coup, maintenant qu'on est chaud, on va en classer. Allez, va en classer. Balance le classé, on fait que de gagner. Alors, clique sur le truc. Non. Ah oui, sur menu. Ah oui, d'accord. Là. Oui. Allez. Allez, c'est parti. Le double. Le double classé. On y va, quoi. Where I wanna be, on top of the world. You're here with me. Voilà, je ne peux pas monter dans les... Je suis un alto, je crois. J'en sais rien. C'est toi qui... Y'a des mecs en face, là? Ouais, ouais. C'est déjà bon, là? Ouais. Faut que je bourre, là? Ouais, et moi, ma manette est encore déconnectée. Oh non, 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 ne me fais pas ça! Éteins la lampe, C'est bon, je suis là. Oh putain. Attention, là, c'est des mecs qui jouent sérieux, qui jouent leur vie, hein. Et nous, on joue sur Jamie les hologrammes. Power, the power. Merde. Oh là là, le mec joue sérieux. Et en attendant, moi, je lui explose sa race. Je sais. Oh putain. Merde. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu l'as bloqué dans l'axe? Espèce de fou. Mais oui, mais je la voyais plus. Oh non! Oh là là là, Ray, oh, Mark Landers. Ah non, enfin oui, non, merde. Non, c'est Tom. Thomas. Putain! C'est quoi déjà cet épisode? Ah, c'est une chanson sur Synergie, ouais, on s'en fout. Vas-y. C'est à moi, Léa? J'y vais là? Ouais. Synergie, bien entendu, hein, c'est l'ordinateur basé sur l'intelligence artificielle. Sur une, avec une, dans l'intelligence artificielle et. Oh là là, et ton arrêt il était naze quoi. C'est toi qui es en défense, regarde. Tu nous tapes une vrille, genre je fais une démo de parcours. Voilà. Oh, que parce passé que toi ta défense elle est. Non mais attends, moi j'étais devant. j'étais devant moi, je suis revenu du début du terrain. C'est moi qui te fonce. C'est toi qui fonce. Allez, go. Pas, oui. Ah non, c'est toi. Oh putain, le mec. C'est bon, tout est pas perdu. Putain, alors là, notre défense elle est pas au petit. Hein. Oh merde. En même temps, là je joue très mal. Oui, je confirme. Hop. Tu peux me le dire, hein, je peux parler. Ah là là, putain, déjà on galère juste à défendre le truc. Oui, allez, là par contre tu la mets. Tranquillou, ça passe crème. Voilà, si on me cherche, je suis dans le coin, c'est la brèche-brèche. C'est pas wesh-wesh. Alors en plus, on a testé. Merci Sharpner.
on a testé et je ne savais pas. C'est moi qui bourre. Non, c'est toi qui bourre, c'est toi. On a testé et je ne savais pas. En fait, tu peux jouer en splitté à 3 et, ou à 4, j'imagine, sur PC. Et ça, c'est génial. Parce que du coup, tu peux faire ta team coach co-op sur PC et faire du stream. Donc, quand il y aura Panda. Oh non, il la met tellement. Mais cette chatte! Mais c'est pas de la chatte là, il a un axe parfait le mec quoi. Mais. Regarde ça. Le double ricochet. Tu vas me dire que c'est pas de la. C'est moi qui veux. Vas-y. Oh putain, 1-3. Bon, on peut égaliser, ça s'égalise hein, mais. En fait, je m'attendais à ce que t'ailles la centrer. Mais non. Poupoupouloubou. Mais non. Mais non. Putain. Non. Bourla, s'il te plaît, Edouard. Oh, mais... What the fuck. Vas-y, on reste à l'attaque, on lâche rien. Si tu me cherches, je suis dans le coin. Oh putain, il va. Oh là là, elle était trop lente. Merde. Vas-y, Olivier. Oh putain, alors là, c'est tellement chaud. Bon, au moins, on joue notre vie, quoi. Oh putain, ça va être très dur d'égaliser. Hein. Vas-y, centre là. Oh putain, le mec défend bien quoi. Oh. Non. Oui. 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 Putain. On a une chance, on a encore une chance. Ah. C'est toi qui veux. Ça, c'est la chanson Who is he kissing? Où justement Jerrica Benton se demande, enfin James se demande, quand Rio embrasse Jerrica ou James, oh, qui c'est dans sa tête qui. Putain! Tu l'as tellement laissé passer, mec! Mais mec! Attends, regarde ton arrêt, s'il te plaît! Le mec la met depuis son goal. Je m'appelle Edouard. Non, alors là, t'as pas d'excuses, mec! Hein. T'as tellement pas d'excuses. Là, c'est très dur. On peut merci, essayer. Muten Roshi. Paf, paf. Ça, c'est bon, ça. Voilà. Et du coup, en fait, c'est la musique où James se demande si Rio n'est pas un salaud d'embrasser deux femmes à la fois, même si ces deux femmes sont elles-mêmes et qu'elle lui a jamais dit la vérité. Bah oui, c'est un salaud. Et la chanson, c'est donc qui embrasse-t-il? Merde. Et d'ailleurs, elle martyrise ce pauvre Rio. Mais non. Oh non, il bourre tellement. Go, j'y vais. Oh là là. Oh, ils s'en battent les couilles. Si on les cherche, ils sont dans le coin, quoi. Mais... Oh non. Oh, il reste 30 secondes, quoi. Oh putain, vas-y, on en reprend pas un autre, quoi. Bon, on rappelle quand même qu'on joue à jeu depuis hier, donc... Voilà, excusez-nous quoi. Oh mais non, mais elle rentrait. Mais non, elle rentrait pas. Mais si. Merci Alistone. Justement, je pensais qu'elle rentrait donc j'allais pas la bouger. Et en fait, non. C'était pas cadré, c'est dommage, c'était la plus belle. Alors que là, j'ai fait de la merde. Oui, rentrant. Merde. Mais putain. Change de vie.
Quoi? Tu veux changer de jeu? Ah non, non, c'est marqué. Ah mais non, mais les gens vont se faire foutre. Ouais. On va pas sauvegarder ralenti, c'était pas mauvais. Merci Végérator. Benza, les backflips marchent pas parce que de dos vous en faites jamais. Mais est-ce... on m'a dit que c'était pour se retourner, j'ai vu que ça faisait un backflip, mais est-ce que c'est bel et bien intéressant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ça suffit. Rester trop proche l'un de l'autre, ce qui fait qu'un raté, soit l'autre a trop peu de vitesse pour faire quelque chose d'utile, soit personne n'est là pour défendre. Oui, merci. Le match classé est terminé. Ah oui, d'accord, c'est qu'il faut après refaire match, classé, trouver match. Allez, on refait un double machin. Allez, j'invoque le Bushi. Tu vas ouvrir la fenêtre. Tu vas ouvrir la fenêtre parce qu'on transpire comme des BE. Dis merci, mais j'en vois pas un. Rester en retrait dès que la balle est dans l'autre camp. Mais si, mais on essaie de s'organiser. Mais laisse-nous comprendre mieux le jeu de façon viscérale. De toute façon, pour l'instant, on joue un peu. Hier, on y joue depuis hier, voilà. Bon. Vas-y, je bourre. C'est que des fois, ça donne envie de... L'opportunité est trop belle pour rester tout le temps en retrait. Allez, un peu trop centré. C'était peut-être un... Oui! Oh non! Oh merde, c'est pas gagné! Oh merde, putain, je vais... Bordel. C'est grillé. C'est grillé. Oh putain, je c'était violent. Fait exploser. C'était violent. Ce gangbang. Oui. Oh oui, putain, le mec. Le mec qui. Tu vois, parce que je te dis, genre, des fois, c'est juste le placement. Tu fous ton pion ici, ça rebondit. Le mec pensait pas que j'allais me garer. Mais j'ai mis le frein à main, quoi. Je fonce. Merde. Ça, la musique, elle est un peu pompée sur les sonnets tropiques. Hein. On va s'aimer. Tu vois, là, j'ai juste fait un contre. Oh merde, putain, là j'étais trop gourmand. Hein. Ah merde. Merde. Accélère pour te retourner. La tortue. Tiens, toi, je t'explose. Ça marche. C'est que j'ai l'impression que les mecs, c'est que j'essaie de toujours, j'essaie encore de comprendre, hein. J'ai pas perdu espoir dans ce backflip, j'essaie de comprendre en fait ce que c'est le... Vraiment, en quoi c'est le méga utile, oh, oui, oh, oui, oh putain salaud, tu ninja, tu ninja le point. GG, non mais là c'est bon, là on gère mieux un peu plus, j'y vais. J'y vais, je vais la toucher. C'est la brèche. Putain, mais oh, je me suis fait exploser. Ah oh, putain, mais il y a deux pour bourrer le truc. Vas-y, rebalance là, ouais. Tu t'es encore fait exploser? Ah oh, non, le mec m'a snipé, quoi. Il y arrive, quoi, lui.
Allez, putain, si j'avais du boost. Oui. Ça marche. Si on te cherche, t'es dans le coin. En plus, tu traînes vraiment à la brèche. Oui. Et est-ce que c'est là où ta meuf a niqué pour un bout de shit? Et est-ce que c'est que là où ta sœur a tiré sa première... Oh. Comme dans les paroles de la brèche. J'ai pas de meuf et j'ai pas de sœur, donc faut pas le dire. Ouais, je sais pas non plus. Merde. Ah non! Oh là là, le mec est arrivé de façon fulgurante, fulgure au point. Ok. Ben vas-y, jouez tout seul, hein. Moi, pas de... Oui, ça rentre! Oh, ce bourrage! Le backflip, c'est juste pour faire une retournée acrobatique. Mais je m'en bats les couilles alors! Si c'est pas une technique pour se retourner, ça sert à rien. Je suis à droite parce que j'ai. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs inversé la webcam. Non. Allez, go, ça va marcher. On est bon. Là, les mecs jouent bien. Enfin, c'est juste que je suis content parce qu'ils meurent. Ils jouent bien ce qu'on gagne. Les autres jouaient mal tout à l'heure quand ils nous ont battus. Ça peut pas jouer les mecs qui nous battent. Non! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces notes? Si mais là on n'a pas de meuf, mon sang. Ah bah écoutez, par c'est contre, hein, si vous voulez envoyer des Daddy Boogs, c'est quoi ton Snapchat pour qu'on puisse te bourrer de Daddy Boogs? Non, le dis pas en fait, parce qu'il y a des tas de mecs qui vont t'envoyer de la merde. Merde. D'ailleurs, j'ai dédicace à certains youtubeurs qui font des trucs genre. Ils découvrent des Snapchats de leur communauté en live. Y a pas pire pour déclencher du harcèlement en ligne, donc c'est assez irresponsable sur le coup de lâcher le Snapchat de gens quand ça a le malheur d'être des meufs un peu mignonnes, etc. Ça peut causer soucis. Mais non. Oui. Oh là là, putain. Merde, putain, je voulais faire là. Biggie. C'est moi qui passe boost. Oui, c'est bien ça. Ça, c'est beau. Mister Montana, c'est toi en face? Oh putain, oui! Le mec il joue en classé pour essayer de nous tomber dessus et il nous tombe dessus! Et il se prend 5-1. Ah merde, par contre, il serait temps d'arrêter de faire de la merde. Oui. Il reste 30 secondes, ceci dit. Franchement, je pense que si on posait la manette, il ne marquerait pas les 4 points, les 5 points qui leur manquent pour gagner. Les 6? Oh les 6! Non, orage, Montana! Benza et les nains de l'amour te poursuivent. Harry Potter 2. J'y vais. Non, c'est moi qui y vais. Voilà, du coup, ça n'a rien fait. Putain, c'est la brèche. Ah oui. Merde. D'accord, c'est juste au dernier moment pour faire une retournée style... pour faire un coup de pierre tourné, mais c'était pas... Enfin, d'accord, ok, là je commence à comprendre l'intérêt. C'est avec la manette toujours. Hé, je clique. Oh alors là... 6-1 en classé. Désolé Montana. Désolé Montana. Cette musique, j'ai jamais bandé et pleuré en même temps. Ah mais là, la musique de Dem, par contre, hein, c'est une très très bonne playlist. Hein.
Allez, allez, je pense qu'on peut faire encore un ou deux. C'est... Il dure combien de temps en fait les matchs? J'avais même pas fait gaffe. C'est 5 minutes. 4 minutes 30 ou 5 minutes. De toute façon, faut aller dans le menu principal, ça sert à rien qu'on soit là. Bah oui, mais moi je t'attends. Faut que tu cliques sur l'écran pour que je puisse y aller. De toute façon. Allez, on en refait un. Au moins un autre ou deux autres, on ne sait pas. En tout cas, on avait promis un petit stream parce qu'il faudrait peut-être que... Je sais pas, est-ce que vous aimez Hard Corner ou pas? Parce que sinon, moi, je peux passer en chaîne uniquement Rocket League, si c'est ce que vous préférez. C'est parti, match rejoint en 3-2-1. Alors non, jamais Dragnir, je ne vais virer la zig, quoi. Ouais, j'avoue. C'est parti. T'arrives à accélérer, là, hein? Non. Merde! Putain, on n'était pas sur le jeu. Ça, au moins, on n'a pas pris de but. Les aléas du streaming. Merde! Ah, oh, c'est toi qui l'a mal recadré, en plus. Bah... Oh là là, je croyais... Parce que sur le coup, j'étais là genre merde, un bleu, quoi, et en fait, non. Vas-y, vas-y. Hein. Merde, oh là là, je fais de la merde. Non. Oh merde, putain. Allez, 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 on va y arriver. Merde, putain, cette zik, elle est toute silencieuse. Fait chier, c'est pour ça qu'on gagne pas. De toute façon, c'est de la merde, cette musique. Vas-y. J'y vais. Oui, putain, c'est beau ça. Oh, le beau jeu. Yes. Non, ça flipendo repousse tout. Ça pourrait marcher. Non, c'est un flipendo. Oh là là, ça c'était beau, le beau jeu. Benzaï, ton frère est avec l'argent de Tipeee? Non, il est avec l'argent d'un grand frère qui invite son petit frère à voir son grand frère. Ce qu'on ne s'était pas vu depuis. Décembre, voilà. Bon. Merde. Je rappelle que Tipeee, hein, c'est pas mon salaire, hein, donc ce que je réinvestis, c'est pour le Hard Corner. Mais je sais qu'il y a des mauvais gens qui font... Oui. Le beau jeu. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Non mais ne lis pas les conseils en rapport avec Harry Potter, ça ne sert à rien. Mais non mais moi ça me fait marrer. Oh, aïe, aïe, aïe. Vas-y, c'est pour toi. Ah merde, putain. J'ai fait de la merde. Ah oui, là, t'as vraiment fait de la merde. Merci Zephyr Brozera. Merde, putain, j'ai juste bourré. Je voulais juste briller. Je fais du rap tout terrain. Oh non. Oh là là, j'allais mettre la pichenette finale. Oh putain, faut que tu retournes en défense, là. Oh non, oh putain, le boulevard. Oh là là, merde. Je sais pas où t'étais. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, on a trop bourré, le mec a tellement juste dégagé, quoi. Oh, là on l'a mérité. Hein. Moi j'arrivais juste derrière. Vas-y, c'est pour toi. Je prends juste le boost d'en face. Je reste en retrait. Oui, c'est bien. Le mec a essayé de me sniper encore une fois, quoi. Voilà, je te bourre le cul. Merde! Éponge! Moi, je sais pas imiter Kraft. Ah, mais non, mais ça, c'est beaucoup d'entraînement, mec. Et puis une vraie voix aussi. Pardon? Oh non! Oh putain! Oh là là, j'ai tellement mal cadré mon tir. C'est chiant par contre les sauts sur le côté, de côté, parce que suivant comment la caméra est placée, c'est pas... Wow.
Merde. Alors là, on fait n'importe quoi. Merde. Si, c'est bon. Faut que t'arrives à la centrer. Merde, ah putain, merci, tu sais pas jouer, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. Ok. Putain. Oh non! Mais non, mais il la renvoie pas dans l'autre sens. Mais non, c'est lui qui m'a bourré. Ah putain, je voulais juste la... Tu voulais juste briller? Je voulais juste briller. Tu commences à comprendre. Bientôt toi aussi, tu pourras être humoriste professionnel de YouTube. Oh putain, je suis parti sur orbite. Non, laisse-la moi, c'est mon but. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. 3, 2... On y est. Jack, c'est dans OSS 117, Benzaï. Ah oui. Mais attends, mais pourquoi il y a un moment il dit tu sais pas jouer? Parce que Jack, il y a quand même beaucoup de films où il y a marqué Jack. Merci Sharpner. Vas-y encore, encore. Que je te déchire, que je te tue. Que je te déchire. Viens, viens à moi. Oh merde. Oh oui, non, mais là tu rentres. Merci Zephyr Drozera. Il faut trouver un autre chemin pour aller au bout. T'as pas le boulot d'été d'Edouard? C'est pas le boulot d'été d'Edouard. Non, non, il est pas payé pour être là. Parce qu'en fait, ça coûte déjà cher de le faire venir. Ouch. Mais ça servait à rien, bien entendu. Merde, qu'est-ce que je fais? Oh là là, cette balle mollassonne que je t'envoie. Oui! Non! Oh putain, il suffisait juste de la faire rebondir sur un capot, quoi. Voilà. Oui, oui, du côté! De côté, mec! Regarde ça! Regarde ça! Mon backflip était à chier, mais regarde ça! Petite tête volante de côté. C'est pour moi. Non, c'est pour moi. Vas-y alors, vas-y. Oh là 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 là, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ah merde. Bon. Forfait! Naufrage! Naufrage de mon skillage! Vas-y, appuie sur A. Bah, on en refait une autre, on en balance un autre. C'est bon, on va pas laisser les gens sur un forfait. Oh là là, la misère! Le mec arrive pas à jouer. Oh, Benzaï, son frère! Merci, Fréléon555. Ton frère a-t-il pécho une finlandaise? Ben oui, il va niquer là sous mes yeux sur mon canapé. Oui. Ah putain, ils sont déjà là quoi. A chaque fois, j'oublie qu'il n'y a pas d'entraînement quoi. En classé, c'est vraiment ça démarre quoi. Merci Zephyr Drozera. Ça en est où les Star Wars Bar? Ça. Je sais que je dis que ça arrive à chaque fois, mais malheureusement c'est aussi l'info que j'ai. C'est que ça arrive. C'est juste que Harry, eh bien... Oh oui, bravo! Harry a rajouté des scènes d'action pour que l'épisode soit moins statique. Parce qu'avec le retard, du coup, eh bien les attentes augmentent. Du coup, Harry veut combler ses attentes qui augmentent avec elle-même. Parce que malheureusement, l'animation, c'est un des arts les plus ingrats qui soit. Hein. J'y vais. Regarde ça! Le ricochet, pouf! Et là, personne. Y'a personne. Le mec.
s'envole sur orbite. Oh, l'homme qui tombe à pic, quoi. On y va tous les deux. On y va tous les deux? Bon, d'accord, mais c'est un peu con, mais bon. Voilà, là maintenant je suis sur orbite, il s'est rien passé. Mais j'ai aucun boost depuis tout à l'heure. Oh merde, putain. C'est bon, j'ai. Ah merde. Il me fallait dire que tu l'avais depuis un moment avant, hein, quand même. Oh merde, merci The Offering. You stupid dumb shit, goddamn motherfucker. Oh oui, putain, le rebond encore. Oh, oh là là, ça dépasse, n'entends pas. Et Alpha Man, hein, malheureusement. Alors, Alpha Man, lui, s'entraîne dans son coin. Le truc, hein, c'est que à l'époque, je n'avais pas prévu d'aller en Finlande. Donc vous vous rendez compte que c'est quand même beaucoup plus compliqué de d'organiser quelque chose de cette envergure, un gros tournage depuis. Oui. Depuis la Finlande. Merde. Merde, qu'est-ce que tu fais? Mais le projet n'est pas mort. Seulement, en fait, à la base, je voulais le faire en mode années 90. Et comme c'est ce que j'ai fait avec les Star Wars, avec les Witcher. Peut-être qu'en fait on fera autre chose. Merde. Du coup, je vous ai. Enfin voilà, le truc c'est que 2015 c'est l'année du streaming en gros. Oh putain. Parce que, eh bien, dans un nouvel environnement comme ça, hein, faire des gros trucs d'envergure avec une équipe, etc. Sachant que je ne peux pas héberger des gens chez moi vu que je n'ai plus de chez moi en France. Ça c'est. Comment ça il doit le traître? Mais. Je vous interdis. Merde! Putain, je la sentais tellement bien. Benzaï, tu vis en Finlande? Non. James, c'est le rêve. Non, non, je vis pas en Finlande, je fais semblant. Je fais semblant, c'est pour le swag. C'est pour que les gens arrêtent de m'emmerder à Angoulême et de frapper à ma porte. Je fais semblant d'être en Finlande. Et placer une reverse, c'est quand même oh putain. En tout cas, je n'habite pas à Groland, j'habite à Finlande. Oh oui, oh non. Merde. Personne sait que c'est. Oh putain, ce bordel quoi. Festival de la vrille. Je vais y aller. Mais putain. Oh non 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 non. Putain. Ah putain, faut pas la laisser égaliser là. Faut pas qu'ils égalisent. Ah, les gens aiment bien les musiques de Jamie les hologrammes, mais c'est parce que c'est de la bonne cam. Hein. Elle est pour moi. Oui. Ah bah non, mais le mec, fallait qu'il se chie vraiment très fort. Hein. Fallait qu'il fasse ce qu'on appelle dans le jargon un Edouard. Pardon. Mais là, t'es où, là? Ben... Merde. Là. Oh merde, putain. Non. Pff, encore le backflip dans les nuages. Vas-y, putain. Merde. Il y a quelque chose de putain de galvanisant dans le jeu, mon gars. Il y a encore une minute. Oh oui, putain. Oh, la retournée, enfin. Enfin! Putain, il veut pas rentrer! Oui. Oui, si! Oh, il la rentre lui-même! Oh, très bon, très très bon, c'est ce qu'on aime! Oui, Thunder, ça ressemble à du Cyndi Lauper, c'est vrai! C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui j'ai écouté deux choses: l'album de Cyndi Lauper
enfin le best-of de Cyndi Lauper et de Jamel Jogogram. Et Loire a l'impression que j'écoute la même merde en fait tout le temps. Go. C'est moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Ma manette. Ta manette, vite, éteins la lampe, Timmy. C'est parce que si le chat ne comprend pas, hein, c'est juste que j'ai des ports USB très capricieux et comme on joue sur les manettes Xbox One, juste branchées comme ça. Merci Frélon55. Quand reviens-tu en France? Te plais-tu en Finlande? C'est compliqué, je ne sais pas. Je ne sais pas pour les deux questions. En tout cas, la Finlande me permet de streamer dans cette qualité et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel j'ai un retour très très positif. Donc finalement, finalement c'est une aventure en soi. Aussi bien de changer de pays que de streamer régulièrement. Oh là là, non, elle est partie pour... Elle est bonne là. Merde. Je sais pas ce que t'as fait, mais... J'ai voulu passer devant. Oh, Poutine, je vais vous prendre dans mon équipe nationale. Bah, faudrait qu'on arrive à... Ah non, c'est bon, il reste 7 secondes pour gagner, pour sécuriser le match. À Quarkonium qui dit qu'il n'y a pas beaucoup de ressemblance entre moi et Edouard. Pourtant, on a la même mère, hein. C'est juste que notre mère est blonde aux yeux bleus. Et moi, je suis le sosie de mon père. Là, ça fait très très mal. Hein. Le mec a pris un but en 4 secondes. Hein. Regarde ça. Le but de l'engagement. Pouf. Oh. C'est grillé. Donc, Edouard, lui, est un véritable Arien. Arien. Je suis que châtain. J'ai les cheveux châtains, j'ai pas les cheveux blonds. Et pourtant, son père est né là-bas. Et donc. Avec la manette. Ah putain. Et donc, écoute, ça fait pile poil 2 heures qu'on stream. Est-ce qu'on fait une dernière déder sur la marmelade? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Est-ce qu'on fait une dernière? Bon, les gens veulent le radio libre. Non, mais attendez, calmez-vous. J'ai dit qu'on faisait un petit stream. Alors non, j'ai pas de double identité. Alors, il y a des gens qui ne savent pas que la Finlande fait partie de l'Europe. Je n'ai pas besoin d'un visa. Je peux juste me ramener ici. Écoute, je pense qu'on peut en faire une dernière parce que je suis bien à fond, là. Ça se trouve, le prochain, on va perdre. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être. En tout cas, on gère bien. On peut essayer sur un... Ah bah non, Europe, parce que sinon on va laguer. Ah non, mais non, pas standard. C'est parti pour plus de double. Une dernière sur le Benzagarat. Allez, sur la marmelade. En tout cas, le stream tient vraiment très bon. Et on n'a pas droppé une seule frame depuis 2 heures. C'est la marmelade de ma grand-mère. À fond, on la met à fond. C'est parti. Merde, j'étais pas présent, je changeais le son. Oh non. Voilà, le mec remet une pichenette. Le mec presse, hein. C'est bien. Nous aussi on peut presser. Oh merde. Oh putain, il la met presque limite dans ce truc. Non, oh, putain. Oui. Oh, dans ton cul. Et je m'envoie vers le truc. Je me brosse les dents avec mon fuck. C'est parti, attention. J'en ai zéro boost. Merde. Merci, Ship of Power. Je suis un peu à la masse, pourquoi tu es en Finlande? Oui, je pense que tu es un peu à la masse. Bien qu'il se trouve que Polly travaille dans une boîte de jeux vidéo pour laquelle je ne ferai pas de pub. De toute façon, elle est pas connue. Oh non! Oh non, c'est rentré tellement crème! Oh, Edouard, pourquoi tu écartais les fesses à ce moment-là?
Regarde ta défense, regarde ta défense. Mais regarde la tienne. Elle est inexistante. J'ai même pas de mouvement. Ouais, mais t'étais premier sur les, le rap. Même. J'y vais. Merde. Mais putain, oh non! Oh non! Oh ce. Je crois que c'est la marmelade. Je crois que la marmelade ne porte pas chance. Bon, allez, ça se rattrape. Il y a un jeu d'Eric 2. Oh putain. Où est la balle? Alors, à moins qu'on travaille très très bien demain sur Hard Corner, c'est pas dit que. Oui! C'est pas dit que vous reverrez Edouard, que revoyez Edouard sur le stream. Hein, parce que demain soir. J'aimerais qu'on fasse du Hard Corner. Et ensuite, on ira manger à ce resto viking où j'ai emmené Seb Dugrenier et le fausseur des films avant Edouard. Et où j'emmènerai certainement le Sad Panda en septembre. C'est la marmelade de ma grand-mère. Non. C'est la marmelade non. De ma grand-mère. Non, 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 il a un boulevard là. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Où est-ce quand je mets la FCO? Oh, ça rentre. Ça va rentrer. Oh merde. Putain. Quand je mets la FCO dans le ciel. Non? Est-ce que tu l'avais mis? Mais non. J'ai fait ma roulade de l'autre côté. Putain. Avec le chef otaku, c'est possible. C'est pas du tout impossible parce que c'est un mec sympa. C'est le genre de mec, tu vois, si tu le cherches, il est dans le coin. Merde. Oh, putain, non mais par contre les retours acrobatiques, je les ai pas. Je les ai pas dans les doigts. Non! Non, il met la pichenette qui va faire rentrer le truc. Putain. Oh putain de merde, on galère quoi. Ce soir sous les ponts. Parce que je vous rappelle hein, qu'il est quand même 4h moins 20 du matin. Donc au bout d'un moment, il est temps d'arrêter le stream. Allez, go! Oh là là, putain, il a tapé juste après moi ou je sais pas quoi. C'est la dernière, je rappelle, c'est la dernière. Ne demandez pas jusqu'à quelle heure je stream. Il n'y aura pas de radio libre. Merci le niaiseur. Oui. Oh GG. Oh c'est le GG. Les candidats. Et oui, il y aura des streams avec ça dépend. Elle est pour moi. Ah putain, je me mets que je le voyais même pas quoi. Merde, putain j'étais la merde, où est-ce qu'ils sont? Oui voilà, dans son élan, on l'arrête. Allez go, t'es bon là. Si on me cherche, je suis dans le coin. C'est beau, c'est ça qu'on veut. Benzaï, tu peux pas me laisser sur cette défaite. Quelle défaite? Quelle Mais défaite oui. On vient de mettre le 4-3. Le mec. Et pour moi. Je vais faire bondir. Très mal d'ailleurs. Oh, la retournée qui marche pas. Oh non putain j'ai sauté par dessus. Oh quel con. Oh quel con. Oh quel con. Quel con. Quel con. Quel con. Quel con mes aïeux. Oh putain. Oh là là. Oh là là. Oui! Oh putain, là, là, ma petite bout de tête là. Ah merde, putain, il faut l'accompagner. Oui! Oh c'est beau! Oh oui! Oh non! Oh oui, c'est gagné! Oh oui! Oh oui! Oh c'est gagné! Question pour un
champion. Ce petit lobe. Cet homme du coup, tu parles finnois, tu gères tout en anglais. Je parle en anglais, mais c'est pas la FAQ, hein. C'est pas la vidéo FAQ. C'est pour toi. Oh putain. Merde, excuse-moi. Oh, il boule le boulevard. Merde, putain. Il y avait le boulevard. Oh non. Non. On a 22 secondes pour remettre un point. Merci, Sharpner. Capcom vient de spécialiser le remake de Resident Evil 2. Oui, ça, je suis content, oui. Comme ça, les gens pourront critiquer Capcom comme quoi ils font que des remakes, c'est très bien. Mais par contre, est-ce qu'il est jouable déjà le remake fait sur Unreal Engine 3 par un fan qui a l'air vraiment stylé? Les amis, on a récupéré le casque de Bobby. Putain, Bobby de toute façon, il est toujours stone et il reste toujours à la plage jusqu'à minuit. De toute façon. Question pour un champion. Benzaï. Top, est-ce que tu t'es bien amusé sur Benzaï? Mais comme toujours. Donc les amis, il n'y aura pas de radio libre avec Edouard, s'il vous plaît, respectez-vous un petit peu. Je vous dis à plus tard, à une autre fois en tout cas, merci à tous, et j'espère que eh bien, cette grosse session sur Rocket League, en 50 images par seconde, c'est pas de la merde, la vraie fluidité de la vie, eh bien... On se dit à la prochaine, j'espère que ça vous a plu. Les VOD sur YouTube, bien entendu. Et ta mère... non, je sais pas ce que j'allais dire. Voilà, un mot de la fin, Edouard. Voilà. Très bien.